D'abord, pour revenir sur le plus important, à savoir la construction de logements sociaux. C'est évidemment un enjeu extrêmement fort. Ça l'a été dans les années 60 et 70 pour sortir des conditions d'hébergement de, et de logements insalubres. Ça l'a été pour sortir des bidonvilles. Et nous constatons, y compris dans notre métropole, que nous aurions bien besoin de construire encore des logements pour résorber les bidonvilles qui refleurissent en France, malgré la richesse du pays depuis une trentaine d'années. Et dans cette histoire de la construction du logement social, il faut rappeler d'abord que c'est les communes qui ont été à l'origine de la construction de ce logement social. Et ACTIS en est évidemment une illustration, puisqu'elle a été fondée par le maire de Grenoble en 1920, et que j'en ai pris la présidence 100 ans après. Il y avait eu un intermède de 100 ans entre la présidence de maire de Grenoble pour cet office. J'en ai pris la présidence en 2014, et nous l'avons transférée. Je dis nous, parce que c'est nous, métropole et ville, collectivement, de par la loi. Nous l'avons transférée à la métropole au 1er janvier 2016. Alors, euh, certains déplorent qu'on euh, attaque les gouvernements quand on parle de logement social. Euh, mais ce n'est pas totalement absurde, en vrai. Hein. Quand euh, j'ai découvert ce monde-là euh, euh, au début des années 2010, euh, je me suis penché effectivement sur l'histoire du financement du logement social. Euh, au début des années 2000, l'État euh, accompagnait, hein, financé par l'aide à la pierre la construction de nouveaux loge logements sociaux. Les organismes de logements sociaux ne mettaient pas de fonds propres quand elles construisaient un logement social. Elle ne mettait pas de fonds propres. Quand j'ai pris la présidence d'Actis en 2014, les organismes de logements sociaux mettaient entre 15 000 et 20 000 euros de fonds propres à chaque fois qu'ils construisaient un logement social. Ça veut dire quoi mettre des fonds propres quand on est un organisme de logement social Ça veut dire que c'est les locataires du parc social qui sont en train de financer la construction de nouveaux logements sociaux. Et maintenant, sept euh, ans après, on est plutôt aux alentours des 25 000 euros, sans doute en moyenne euh, de, de, de fonds propres par, par logement. Donc clairement, il y a un désengagement de l'État. Ce n'est pas de, du gouvernement euh, là en matière d'aide à la pierre. Hein, C'est un engagement, un désengagement historique euh, sur 20 ans euh, dans la construction de logements sociaux. Par contre, il y a deux choses euh, qu'a fait ce gouvernement et qu'effectivement, on peut lui reprocher, à lui particulièrement, et donc euh, il doit endosser euh, les résultats déplorables euh, que cela a sur la construction de, de logements sociaux, et donc sur les inégalités sociales en matière de logement en France. La première, c'est la ponction qui a été opérée dans la loi de finances 2018 euh, sur les bailleurs sociaux. Euh, Elisa Martin en parlait tout à l'heure. Hein, Rappelez-vous l'argumentaire. L'argumentaire, c'était euh, les APL entraînent une spéculation à la hausse des loyers par les propriétaires. Donc, finalement, c'est de l'argent public mal investi. OK. Bon, raisonnement, soit hein, 16 milliards à peu près d'APL. À la suite de cette euh, phrase que, déjà, on pouvait contester, mais à la suite de cette phrase, la décision du gouvernement a été de baisser les APL non pas pour euh, le parc privé, mais pour le parc public et le parc de logement social, qui lui a des loyers réglementés. Donc que vous ayez des APL ou pas, ça ne fait pas flamber les loyers. Les loyers sont fixés. Et c'est 1,3 milliard qui a été pompé là sur le logement social. La traduction concrète, ça veut dire quoi? Pour un organisme comme Actis, 55 millions, un peu plus de 11 000 logements, 55 millions de loyers, c'était à peu près 2,5 millions en moyenne d'excédents d'opérations qui servaient. À faire de la grosse réhabilitation, rénovation urbaine, essentiellement financée par le logement social et par les bailleurs, euh, à faire de la construction de neuf, puisque maintenant il faut des fonds propres. Sur ces 2,5 millions de, de résultats et sur ces 55 millions de loyers, quelle a été la ponction décidée par le gouvernement 6 millions d'euros. 6 millions d'euros. Donc je rappelle que Actis hein, est une entreprise. Une entreprise, 55 millions de chiffre d'affaires, 2,5 millions de résultats, on vient vous ponctionner 6 millions d'euros de façon structurelle. C'est ça qui s'est passé avec la loi de finances en 2018. Et qui a fait que non seulement ça a asséché évidemment la construction de l'oblance social, que ça affaiblit les bailleurs sociaux qui avaient le plus de locataires euh, recevant des APL. Donc, inégalité doublement frappée, c'est que si vous êtes un bailleur social très engagé dans les quartiers politiques de la ville où il y a un très fort taux d'allocataires des APL, et bien vous êtes plus ponctionné que les autres. À l'inverse total du raisonnement initial que déjà on pouvait contester. Et donc, il a fallu évidemment faire des économies et évidemment, ça freine la capacité de construction de logements sociaux d'Actis, tout en préservant l'investissement qui a été fait sur la rénovation urbaine. Deuxième élément. Euh, qui est là aussi totalement imputable à ce gouvernement, et eh bien à celui-là, c'est la loi Elan, et c'est la loi qui nous conduit au, au débat que nous avons aujourd'hui, qui vise à une concentration euh, des bailleurs sociaux. Grand discours sur les euh, dormants-dodus, euh, effectivement, les dodus dormants, hein, tous ces organismes qui euh, ne construisent pas mais euh, s'enrichiraient. Bon, ici on n'en connaît pas, hein, mais il euh, y en a, effectivement, quelques-uns, euh, quelque part. Personne n'a compris. Euh, la logique de cette loi Elan. Euh, personne n'a construit cette logique à part de soumettre euh, les, le logement social à une forme de prédation euh, des intérêts privés. Et quand on a discuté avec l'ensemble des, des, des experts, des spécialistes du, du monde du logement social, personne n'a compris la logique. La seule logique qui pouvait émerger, mais qui n'était pas euh, assumé, évidemment, par le gouvernement, c'était effectivement euh, d'affaiblir hein, ce, ce patrimoine du bien commun, puisque c'est plus de 300 milliards à l'échelle de la France de, de patrimoine, le logement social, de euh, l'affaiblir et de pouvoir ainsi le privatiser. Je laisse ça de côté, puisqu'on n'a jamais eu une déclaration d'intention claire sur l'origine de la loi. On peut juste regarder ses conséquences pour nous, et ses conséquences pour nous, euh, métropole, c'est que Actis doit trouver un partenaire pour une SAC, une SEM, n'importe une, quoi, mais bref, il doit trouver, racheter des logements, mais il doit passer la, le seuil des 12 000. Le seuil des 12 000, je précise, aujourd'hui, rappelons-nous que le seuil a été abaissé de 15 000 à 12 000 dans des amendements pendant la, le, le débat parlementaire. Et qu'on n'est pas à l'abri que cette barre monte gentiment et pousse à la concentration hein, pour voir disparaître des centaines de, de bailleurs sociaux de, de plus. Bon. Voilà la photo. Euh, Aujourd'hui, le, le choix, euh, hein, le, le débat qui a eu lieu sur le territoire métropolitain euh, a montré qu'il y avait un attachement extrêmement fort à l'OPH, euh, l'Office public euh, de l'habitat. Et, et euh, je crois que le, ce Conseil métropolitain acte de cela. Euh, D'autres solutions avaient été envisagées. Clairement, euh, la défense d'un logement public et trop d'incertitudes sur euh, les suites de, de la loi ELAN euh, font que euh, c'est cette piste-là qui est poussée par euh, les acteurs euh, politiques et les, les acteurs de terrain. Un petit mot quand même, enfin, euh, sur le petit bruit sympathique euh, qui vise... A pointer la ville de Grenoble comme étant une institution qui a soif d'argent. Prenons un petit peu de recul euh, d'abord par rapport à cela. D'abord sur les délibérations qui ont eu lieu au printemps dernier entre, ici au sein de ce Conseil et à la ville de Grenoble. Effectivement, elles ne sont pas concordantes. Mais, par contre, la délibération qui a été prise de la Ville de Grenoble, nous étions ici lundi en conseil municipal. Elle s'est faite sur la base des discussions qui ont été engagées avec la Métropole depuis 2018, à savoir, c'est la logique, hein, la ville n'a plus la compétence en matière de logement, et donc elle vend ses outils, et la loi dit ben, qu'il faut se tourner, évidemment, en première instance euh, vers la Métropole pour vendre les deux tiers euh, de ses actions. Et c'est les discussions que nous avons eues euh, depuis euh, 2018 avec la Métropole, et euh, c'est d'ailleurs, hein, des, des courriers ont circulé sur les échanges entre Ville et Métropole. Tous les courriers euh, n'ont pas circulé, puisque au moins deux euh, n'ont pas circulé. Un, euh, du 16 avril, émanant du, du président de la métropole, indiquant que, effectivement, la métropole était intéressée pour le rachat euh, de GH d'au moins la moitié des actions. Et donc, ça, c'était avant les délibérations du Conseil métropolitain et de la ville. Deux, une note conjointe des services de la ville et de la métropole sur l'évaluation du prix hein, et, et euh, évaluant sur la base d'une un, évaluation de, de finances euh, euh, consultes évaluant le prix de ces actions à un prix plancher qui ferait que les deux tiers des actions soient à 45 millions, et à d'autres évaluations après plus hautes et parfois extrêmement hautes. Et le prix qui a été choisi dans notre soif insatiable d'argent a été le prix plancher. Donc il n'y a pas de spéculation. Nous avons pris le prix plancher de l'évaluation. Je rappelle que la loi dans les transferts de, de compétences, pointe deux cas. Il y en a un où une collectivité donne, donne hein, euh, des actifs à une autre collectivité. C'est ce qu'a fait la ville de Grenoble, qui avait un patrimoine économique important. Ça a été donné à la métropole. À la métropole. Donc, euh, amis conseillers métropolitains, ben, voilà, nous sommes maintenant, euh, ensemble, copropriétaires euh, pour nos habitantes et nos habitants, d'un patrimoine extrêmement fort qui a été construit, bâti par Grenoble historiquement. Ça se traduit un petit peu quand même quand vous regardez le poids fiscal que vous pouvez voir à Grenoble avec le poids fiscal qu'il peut y avoir dans d'autres communes de la métropole. Euh, cette, euh, ce, ces choix d'assumer euh, beaucoup de fonctions métropolitaines euh, se retrouvent aussi euh, dans les situations financières des, des différentes communes. On pourrait citer GEG. GEG a été vendu là aussi aux deux tiers euh, à la métropole et essentiellement payé depuis, je trouve qu'il y avait 6 millions de versements initial depuis c'est payé à peu près avec les dividendes qui sont perçus par la métropole chaque année. Donc ça veut dire que la ville de Grenoble, dans sa soif d'argent intensif, a vendu des actions dont le fruit des dividendes servent à lui rembourser, à lui payer ses actions. Super intelligent. Non On n'était pas, pas plus obligé là, sur le prix, on aurait pu négocier autre chose. Et on est tellement sympa qu'on a fait banquier même banquier à 0%. Dans le même temps, la Métropole sur la dette remboursable, système excellent que nous avions porté ensemble puisqu'on a dû faire modifier la loi pour permettre cela et faciliter dans les, dans la, dans les transferts euh, la, le, la survie des budgets municipaux et de tous les budgets municipaux, la dette remboursable, elle, a un taux d'intérêt. Donc vous voyez, la banque, le, Grenoble fait banque pour la Métropole à 0% et euh, le, la Métropole fait banque pour euh, la ville de Grenoble à, à 3%. Donc euh, euh, voilà un petit peu sur la soif d'argent, j'imagine qu'on en reparlera tout à l'heure sur le litige de l'eau euh, qui serait intéressant. Mais euh, je voulais juste mettre dans le débat. Je, je rappelle que le schéma principal, hein, nous nous trompons pas, c'est bien la construction de logement social et c'est ça que les choix que, que va avoir à faire ce Conseil pour maintenir son PLH et soutenir ses outils. C'est des outils qui sont remarquables en termes d'investissement des salariés, avec des compétences différentes. D'un côté, Actis, avec cette histoire de la proximité, de l'innovation architecturale également. De l'autre, GH, une boutique qui est agile, compétente, hein, qui sait négocier du foncier, qui sait construire du privé, du public. Et c'est pour ça que c'est intéressant cet outil-là. Ça, c'est le fond. Hein, mais la petite musique du fait que la ville de Grenoble. Euh, en fait, euh, est un animal assoiffé d'argent. Euh, je pense que nous gagnerions en tant que métropolitain à la faire cesser parce qu'on ne connaît pas un territoire qui se construit contre sa ville-centre. Nous avions au début de la journée un débat au sein du pacte de gouvernance sur euh, la, les lignes politiques hein, et est-ce qu'il faut que la métropole exécutive métropolitain soit politisée. Rappelons-nous là aussi, euh, avec humilité, que les choix politiques qui ont été faits par les habitantes et les habitants du territoire métropolitain, ils sont relativement clairs et qui ne se retrouvent pas directement dans cette Assemblée. Mais oui, je, je terminerai là-dessus juste, mais si on prend les résultats des élections régionales et s'il y avait un vote au suffrage direct avec le mode de scrutin régional, notre Assemblée, qui serait alors composée de 80 personnes, aurait une majorité de gauche citoyenne écologiste de 50 personnes et aurait en son sein... 20, 24 élus ici de la liste écologiste, une quinzaine issue de la liste socialiste, une petite dizaine issue de, de la liste PCLFI. Donc, si je prends juste, hein, et puis après une quinzaine de LR, 8 LREM et euh, 7 RN. Pourquoi je dis ça euh, Je dis ça juste parce que nous sommes ici, certes, avec nos casquettes et la représentation qui est totalement démocratique et légale, hein, mais nous étions impliqués, Christophe Ferrari et moi-même, pour un vote au suffrage universel direct de la métropole. Et ce sujet, comme sur le sujet du logement, hein, qui est un sujet majeur, nécessite un débat démocratique. Et plus ça va aller, plus ça va être compliqué pour nos concitoyens euh, de voir cet éloignement entre euh, les choix qu'ils ont à faire dans les urnes euh, et euh, comment ils se retrouvent privés de débats débat démocratiques directs sur le logement, l'énergie, euh, les déplacements. Euh, l'alimentation, des choses qui sont structurantes, et euh, toute la force et la richesse de ce Conseil métropolitain de s'occuper du quotidien euh, des gens. Merci. Bien, il y a une demande de prise de parole de Laurent Toviste.